Alerte, alerte. Alerte, alerte. Connaissez-vous? Bipé Elvige de Milan. On ne manque pas de respect à mes soeurs blogueuses. Depuis que vous faites vos conneries là sur les réseaux sociaux, vous les Ivoiriens là, on vous regarde, vous pensez que c'est parce qu'on a peur de vous. C'est parce qu'on ne parle pas. Non, je ne permets pas. Arrête, arrête. Elvige de Milan. Pour le moment, je fais mon direct au noir parce que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire maintenant parce que j'ai pas assez de temps. Tu continues aussi. Mais si tu continues, je vais faire mon direct. Même demain. Je t'ai vu, tu es en direct là. Voilà. Les gens ont le droit de se plaindre et de critiquer quelque chose si ça n'a pas été bien. On ne te donne pas le droit de manquer de respect. Ça va parce que nos blogueuses, on peut se manquer de respect entre nous les Camerounais. Mais on ne permet pas une tierce personne. Elvige de Milan, tu te prends pour qui? Elvige de Milan, tu te prends pour qui? On va faire ça avec vos blogueuses ivoiriennes là. On va faire ça avec les Aya Robert, les Lolo Beauté, c'est eux qui témoignent là-bas. Tu n'atterris pas sur les nôtres. Tente de prononcer Lolo Foja ou Fleur de Lune. Sois confirmé. Vous pensez que quoi? Parce qu'on dit que vous avez pris le pouvoir sur la toile. Vous avez pris, vous avez vu copier ou pour faire les directs, vous avez qui, les qui vous ont appris? Vous avez vu les qui? Vous enviez les Camerounais avant? Alors, qui vous ont appris à faire les directs? Les qui vous ont appris à faire les directs? Arrêtez ça vite fait. Voilà. Les filles n'ont pas été satisfaites. Elles ont le droit de porter critique. Respectez-nous, hein. Respectez-nous. C'est pas parce que tout le temps, on est là, on vous dit que wow, la Côte d'Ivoire, si, la Côte d'Ivoire, nous sommes les pays frères. Moi-même, je suis même la dernière personne, même je ne devrais même pas parce que j'ai une famille ivoirienne, je vous ai toujours dit ça ici. Donc, je ne peux même pas choisir, même. Je ne peux même pas choisir. Bonsoir, Chantal Chamba. Je ne peux même pas choisir, mais si vous voulez arriver là-bas, là, parce que vous, les petites blogueuses ivoiriennes de hier, hier, là, qui vous êtes arrivées hier, hier, là, vous vous prenez, vous croyez que vous êtes de qui même? Tout ça, c'est à cause de nos pas de blogueuses. Parce que vous, vous avez commencé hier, hier. Vos soeurs, vous partagez vos directs entre vous. Nous, nos soeurs ne nous considèrent pas. C'est à cause de ça. Quand vous pouvez vous lever, vous ouvrez vos bouches sur eux n'importe comment, comme vous voulez. Vous pensez que la côte à mon chic, que vous avez respecté là, machin, tu dépasses Lolo avec quoi? Ou bien dépasses Fleur de Lille avec quoi? La côte à mon chic. Prenez son tabouret et s'asseyez pour écouter Fleur de Lille. Vous le prenez pour le qui? Hein? Tout ce que Lolo a dit dans son direct, c'est la vérité. Tout ce que Lolo a dit dans son direct, c'est la vérité. La Linda de Lince. Linda de Lince qui a présenté Fleur de Lille. Elle a dit quoi? La première blogueuse camerounaise depuis 2014. Celle qui inspira les gens comment? À faire du blog. Respectez les gens, hein. Toi, Elvige de Milan, là. Hein? Tu pourrais prendre le direct de Lolo, tu fais maga taper. Tu sors ta bouche, tout, parce qu'on t'a donné. Si vous voulez faire ça, là. On va pas vous laisser, hein. Moi, on vient une grande gueule, hein. Tu penses que tu as la bouche plus que qui? Toi, Elvige de Milan. Tu penses que tu as la bouche plus que qui? Elvige de Milan. Et par exemple, la maman. Ah oui, je me l'en. Calme-toi vite. Vite, vite, vite. Faites ça entre vous là-bas. Voilà. La personne qui doit répondre à Lolo ici, là, c'est Apuchou. Mais comme je connais Apuchou, d'un gars intelligent, il a écouté le direct de Lolo. Il sait quoi faire. Toi, tu viens. Tu viens répondre en tant que qui? Tu manques de respect aux blogueuses camerounaises par rapport à quoi? Parce que toi, tu penses que tu es quoi?
Hein? Tu es quoi? Faut arrêter ça vite, hein? Vous oubliez que le téléphone là, nous tous maintenant, le téléphone là c'est direct, tout le monde peut faire direct. Faut arrêter, hein? Faut même pas commencer ça. C'est pas bon. C'est pas bon, oh. Camerounais, ivoirien là. Nous sommes les enfants. Nous sommes des cousins. Faut arrêter vos histoires que solidarité ivoirienne. Nous-mêmes là, c'est que nous-mêmes, solidarité camerounaise, on va faire ça. Voilà. Et puis, les abeilles qui sont en train de dire à la reine mère, là, parce que la reine m'a fait ses postes, qui sont en train de dire à la reine mère que, non, il ne faut pas entrer dans le jeu, là. Il ne faut pas entrer dans le jeu, là. Arrêtez votre sorcellerie que vous faites. Hein. Pourquoi vous êtes toujours dans le « aide-moi à détester » On dit que la toile doit être calme, que les blogueuses doivent rester chacun dans son coin. Mais s'il y a des cas, où tout le monde, les cas de société, un problème de société où tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Elles peuvent se tenir main dans la main et résoudre le problème. Vous voulez toujours rester dans la haine. Toujours en train d'insulter les gens. Oh, pipi, machin, truc. Ça vous apporte quoi? Ça vous ajoute quoi? Hein? Elles ont pu les deux représenter hier. Pour moi, Lolo Fondia et Florent Delisle étaient les plus belles de tous ceux qui étaient là-bas. Pour moi. J'ai dit ça, oh, hein. Je dis qu'il est trop facile, qu'elle en l'air. Vous comprenez? Pour moi, ils étaient, les deux là, si elles n'étaient pas là-bas, l'événement là ne devait ressembler à rien. Elles sont les deux qui ont apporté la lumière là-bas. Elles sont les deux qui ont fait en sorte que l'événement là vraiment ressemblait même à un Oscar. Vous avez compris, non? Voilà. C'était les deux qui étaient vraiment les stars là-bas. Tout le reste là, c'était du n'importe quoi. Hmm? Oui, nous les Camerounais, on a le style, on a le glamour, on a... Mais de... Vous parlez même de quoi? Faut arrêter, hein. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont toujours copié les Camerounais, depuis l'année de temps. Tous les grands animateurs, vous parlez de culture, tous les grands animateurs, hein? Tous les grands animateurs qui ont eu en Côte d'Ivoire, ils étaient Camerounais. Consti et K, il était quoi? Hmm? Les gens qui ont fait voir, les gens qui ont fait découvrir les Elvis de Mayou. Hein? Je ne sais pas, va demander à sa team où. Hein? Les Elvis de Mayou. L'autre que vous venez de condamner là. Les Dembella. Moi, les gens qui ont fait le showbiz, ils voient rien. Hein? Tout parce que les Camerounais sont humbles, tranquilles et tout. On n'aime pas les problèmes. Vous pensez que quoi? Elvis de Milan, calme-toi vite. Tu n'as pas la bouche. Mmh. Tu n'as pas la bouche. Tu as compris, non? La personne te regarde. Calme-toi vite, descends vite de ton nuage. Tu ne parles pas de l'offre à n'importe qui. Fais son image, elle a fait quoi avec? Elle a fait quoi? Coup, toi, t'as pas d'image, tu fais quoi avec? Mmh? Toi, même temps. Tu parles à qui comme ça, même? Hmm? Toi, Elvis de Milan, tu te donnes ce droit. Hmm? Elle a raison. Son image, on ne peut pas la déplacer comme ça. C'est une grande star. Elle est une grande star. Quand son image, elle fait quoi avec? Carrément. Qu'est-ce que vous arrivez même? Hein? Quand on dit que l'événement était un fiasco, ça a été un fiasco. Rose, moi je pense que Lolo Fondia ou Fleur de Lille ne sont pas des exemples pour la jeunesse. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici maintenant, Roger Joya. Ce ne sont pas des exemples pour la jeunesse. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont des exemples pour la jeunesse. Moi, on parlait de la soirée des Oscars, Njoya, qui était hier. Elles étaient là-bas, nos deux stars. Qu'elles soient des stars exemplaires, qu'elles ne soient pas des stars exemplaires. Ce qui est sûr, c'est que elles sont des stars. D'accord, Njoya? Donc, hier, là, elles nous ont représentés à la Côte d'Ivoire.
à un événement organisé par les Ivoiriens. Elles nous ont représentés. Et moi, je crois qu'elles nous ont valablement représentés. Le Cameroun a été valablement représenté dans le glamour, dans le chic, l'élégance, tout ce qui fait le Cameroun, tout ce qui nous fait. Parce que c'est ça, nous, les Camerounais. Vous allez insulter notre pays comme vous voulez. Oh, notre président est là depuis 20 ans. Oh, on n'a pas ceci, oh, on n'a pas cela. Ce n'est pas grave. Mais ce qui est juste que ce qui est Camerounais là, ça, on ne peut pas nous enlever ça. Hein? Donc, si Lolo a fait son direct, parce qu'il y a eu des manquements, hein? Il y a eu des manquements, elle n'était pas contente. C'est sa façon de parler. C'est aujourd'hui qu'elle devait parler ça comment? Chacun son style de parler. La première personne qui avait le direct, c'était Fleur de Lille. Fleur de Lille a son style de parler. Hein? Pour les gens qui comprennent, on a aussi compris qu'elle-même n'était pas trop contente. Maintenant, Lolo aussi a sa façon de parler. C'est aujourd'hui que vous connaissez Lolo, vous allez vous habituer. C'est sa façon. Attendez. Vous pensez que tout le monde va être identique? Hein? Hein? Vous pensez que tout le monde va être identique? Je suis désolée. Chacun a son style. Lolo, ce qui fait Lolo, c'est son style qui est là, qu'elle aboie. On la connaît comme ça. Vous n'avez pas besoin de la changer parce qu'il faut qu'elle vous fasse plaisir. Je suis désolée. Elle s'est exprimée. Elle allait dans cette soirée. Il y a eu des manquements. Elle n'a pas été contente. Une grande star comme elle, de telle envergure. Parce que les autres qu'on valorisait là-bas, ils ont quoi plus qu'elle? Quand en mon chic là, elle parle, elle traite quoi? C'est quel sujet? Des bangalas, le cul qu'elle vient souvent parler sur les réseaux sociaux là. Vous parlez même de quoi? Vous parlez dans vos têtes. Elle a sucé le bangala, on peut poser question. Vous la valorisez, vous la mettez à un tel point où, je ne sais pas, vos soeurs, vous les jetez. Après, c'est vous voulez les premiers à les critiquer. Hein? Vous valorisez, quand avant chic, elle est coach, machin, truc. Elle est star plus que qui? Quand avant chic, elle est star plus que qui? Hein? Quand avant chic, elle est star plus que qui? On va négliger Lolo Foja. On prend quand avant chic comme en haut. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Elle est star plus que qui? Jusqu'à Edwige de Milan se lève pour venir manquer de respect à Lolo Fonja. Et vous voulez qu'on doit accepter ça? Il dit non. Edwige de Milan, c'est qui? Elle est qui? Edwige de Milan, c'est qui? Lolo a le droit de s'exprimer. Elle a le droit de dire son mécontentement. Hein? Quand à mon chic, pourquoi? Elle est plus star que qui? Elle est coach. Elle coach qui? Elle coach les Bangalais, les culs qui parlent sur les réseaux sociaux là. C'est toujours vous les Camerounais qui les donnez, vous les valorisez. Vous quittez, vous partez, vous valorisez l'autre vendeuse de rêves, Mamito là. Hein? Vous valorisez l'autre vendeuse qui passe le temps à vendre le rêve là, tous les jours. Qui a créé la mythomanie Land. Vous la valorisez. Vous insultez Fleur de Lille. Elle a ravivé les gueules. Celle-là fait quoi? Hein? Vous prenez pour les qui? Vous êtes toujours en train de... Rabaissez vos soeurs. Elles ne sont pas parfaites, c'est vrai. Mais elles essayent. Mais si vous ne les encouragez pas, vous passez le temps à encourager les étrangers. Après, c'est pour venir vous plaindre. Hein? Après, c'est pour venir vous plaindre. Je suis désolée. Elles riches de Milan manquent de respect à Lolo Fonja. Ou à n'importe quel star camerounais. Hein? Même à celle qui a la team de Wouhou. Même à celle qui a la team de Wu, elle manque de respect à une. Je lui remets à sa place. Elle biche de Milan, c'est qui, dis donc? Hein? Les filles qui sont sorties, je ne sais pas, elles sont sorties de nulle part. Tu viens parler à Lolo Fonja. Lolo Fonja et toi, vous avez levé les moutons ensemble. Merde! Rien que la robe que Lolo Fonja avait sur elle. Attendez, vous pensez que c'est vos robes de chinois que j'ai vu là? C'est Leslie 5 étoiles. Sa robe qui était sur elle, elle ressemblait au criquet là. Hein? Ne m'inquiète pas, il y a un faux problème, Joya. Quand on touche dans mon pays, non. Attendez. Hein? Vous passez le temps à dénigrer vos soeurs. Merde! Eh, biche de Milan, descends de ton nuage, vite, vite, vite. Fais ça avec tes soeurs ivoiriens là-bas. Je suis désolée. Fais ça avec tes soeurs ivoiriens. Tu arrives sur Lolo Fonja. On va traiter tes faux copes, on va t'acheter la dentière. À quoi, maman, qui sur Lolo Fonja, je te dis. Sinon, on va t'acheter la dentière. Le tout aussi là, la vraie dentière.
T'as compris? Voilà. Va faire ça avec des stars. Va faire ça avec Aya Robert. Va faire ça avec Lolo Beauté. Mais deux, vous valorisez plus les étrangers? Elle a le droit de s'exprimer son mécontentement. Elle ne s'est pas déplacée pour rien. Mais de rien que sa robe qu'elle avait sur elle là. Attends, parce que quand mon chien était plus quoi plus que. Elle était 10 fois plus bien habillée, plus classe, plus élégante, plus glamour que votre côte à mon chic. Attendez. Flor de Lille et Lolo Foja étaient les seules stars des Oscars qui étaient dignes des stars. Je dis ça, Hora. Tout le reste là, c'était les Brunganjanga. Il y a seulement Vital qui a un peu sauvé. Il n'y a que Vital. Vital, la chanteuse là, qui a un peu sauvé, qui les a un peu sauvés. Hein? Tout le reste là, c'était les Brunganjanga. Ils étaient habillés quoi comme ça. Les 5 étoiles, c'est le truc de chinois qu'elle avait porté sur elle là. Elle-même, elle était là comme le criquet. Comme le genre que tu souffles, tu la souffles, elle va tomber là tout de suite. Partout, elle doit se dénuder. Elle ne sait pas quels les endroits où il faut s'habiller aussi et digne. Hein? 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 Elle ne sait pas qu'il y a des endroits où il faut s'habiller digne. Attendez. C'est pour venir dénigrer vos soeurs. Attendez. Quand à mon chic, c'est qui? Vous là-bas, hey, quand à mon chic. Attends. Il y a eu des manquements, c'est vrai, c'est la première édition. Hein? Ah, puis tu étais seule. C'est la première édition. Moi, je l'apprécie. Hein? Hum? Aquaman de ça, Adama. Mais deux. Aquaman se prend pour qui? Aquaman, tu parles sur qui? Hein? Respectez nos stars. Vous allez les respecter, Hoa. Vous allez les respecter. Je ne permettrai pas. Vous ne manquez pas de respect à nos stars. Vous invitez nos stars pour les humilier? Et puis on n'a pas parlé. Je nous dis, les Ivoiriens, ne venez pas plus supporter nos blogueurs ivoiriens. C'est petit. Hum? Maintenant, essayez de nous dire, les Ivoiriens, ne venez plus supporter nos blogueurs. Merde. Pourquoi vous avez fait avant ça, les Camerounais? Je ne comprends pas trop. Ça ne me concernait pas. Ça pourrait jamais me concerner. Oh, mais pourquoi tout ça arrêter? On arrête? Mais il faut que les blogueurs ivoiriens doivent apprendre que elles ne sont pas obligées de riposter à tout. Comme elles sont habituées au buzz là, les Camerounais sont venus les apprendre les buzz. Hein? Vous connaissez le buzz avant? Le buzz, si c'est chez les Camerounais, c'est les Camerounais qui ont créé le buzz. Hein? Et la patronne a de ça. Vous-même, vous avez dit la patronne a de ça hier, quand vous l'avez présenté. Vous connaissez le buzz. Donc, quand vous découvrez quelque chose, ça devient seulement quoi? Hein? On peut parler, vous passez dessus. Vous restez tranquille. Toi, tu es riche de Milan, tu quittes là-bas, tu viens boire, tu vas boire quoi? Tu penses que tu parles plus que qui? Hein? Hein? Qui ne sait pas qu'au Cameroun, les meilleurs organisateurs, même une petite fête d'anniversaire, quand le Cameroun fait même une fête d'anniversaire, c'est le manière comme un bobé. Ce n'est pas que, ce n'est pas le c'est comme ça, c'est notre nature. On nous a habitués comme ça. Même quand tu invites seulement 2 personnes, 3 personnes chez toi, nous les Camerounais, c'est comme ça. Tu fais 3, 4 repas. Mais vous les Ivoiriens, vous ne connaissez pas ça. Vous invitez les gens, vous faites le foutou. Avec sauce graine, vous ne savez même pas si tout le monde aime le foutou ou pas. Nous les Camerounais, non, on est nés comme ça. Ce n'est pas pour, ce n'est pas une insulte, c'est pas qu'on vous insulte. On comprend que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas. Vous les Ivoiriens, vous invitez les gens, vous faites le tchep. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, les Camerounais, là, quand on dit qu'on fait une fête, même une simple fête d'anniversaire, pour nous, c'est les manières. C'est dans notre sang. Ce n'est pas qu'on vous insulte. On peut comprendre que vous ne connaissez pas, mais tout ça prend. Tout ça prend. Tout ça prend. On comprend que vous voulez trop nous copier, mais tout ça prend. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. Calmez-vous un peu sur nous. Mais deux. Trop, c'est trop là. Moi, j'aime Ado. Hein. Ado, c'est mon président. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais deux. C'est quoi ça? Eh, Vige de Milan, calme-toi vite. Vite.
Et vous, les abeilles, là, n'empêchez pas la reine mère de parler. Voilà, parce qu'Aboutu était peut-être l'organisateur. Il a confié les choses aux gens. Il ne pouvait pas être partout à la fois. Moi, ce petit, je l'apprécie. Parce qu'il y a les gens comme sur la toile là, la toile camerounaise, comme les Antoine Bacho, hein, Mbongo Ngo, hein. Il y a les Ducamer qui nous fatiguent là tous les jours. Ils disent qu'ils sont les influenceurs. Aucun de ne s'est élevé pour organiser un truc comme ça. Donc, Aboutu, je l'apprécie déjà pour ça. Hein? Il a eu l'idée. Mais maintenant, c'est la première édition. Bon, Tata Lolo, elle s'est exprimée. C'est sa façon de s'exprimer. Mais les Ivoiriens, après, attendez, doucement. Doucement. C'est comment? Hein? Il était seul, peut-être, là, tu confiais les choses aux gens. Les gens n'ont pas bien fait les choses. Oui. Mais toi, Linda de Ligne, c'est même Linda de Ligne, c'est même la présentatrice. Quand tu as appelé Kota Mon Chic, tu as fait son Atalakou. 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 Hein? Pourquoi quand tu appelles les blogueuses camerounaises là, tu n'as pas fait la talakou? Ou pleurer un pour qui? On a tous regardé ça. Linda de l'INSEE. Quand tu as fait l'entrée de la Côte à Mon Chic là, tu as fait la talakou, tu as dit, wow, oh, ceci, c'est là, tu as donné tout ce tout. Pourquoi quand tu as fait entrer les blogueuses camerounaises, tu n'as pas fait le même à talakou? Pourquoi quand tu as appelé Lolo Fonia? Attends, vous pensez que. Attends. Tu as appelé Lolo Fonia, il est venu prendre son Oscar. Tu vas me dire que tu ne connais pas aussi. Le parcours de Lolo Fonja sur la toile. Pourquoi tu n'as pas fait la talakou de Lolo Fonja aussi? C'est une blogueuse, non? Quand tu as mon chic à quoi plus que Lolo Fonja? Non, disons la vérité, vrai vivant. Lolo Fonja traite même souvent les sujets de société. Elle traite les sujets de société qui portent. Jusqu'on trouve la solution. Quand tu as mon chic à la traiter quoi sur la toile? À part de dire que ça proposait question. Hein? Tu les fils, les Mbangala. Si c'était une Camerounaise qui parlait des trucs comme ça, vous allez dire comment, oh, elle fait la promotion de ceci, elle fait la promotion de cela. Mais quand Coach Amon Chic fait ça, vous recoupez même les directs, vous les partagez. Et on peut poser question, c'est pour poser question. Hein? Toi, si quand même, si c'est Bangala, Bangala, tu vas sucer ça comme ça, jusqu'à tu vas mettre ta gorge comme ça. Hein? Hein? Mais deux. Elle est classe de quoi? Elle est classe de quoi? C'est sa classe qu'elle s'assoit souvent là, sur les réseaux sociaux. Elle dit que si c'est Bangala, hein, si c'est Bangala, ça c'est la classe. Arrêtez, hein. Elle est son boutili, qu'elle est comme ça là. Qui est en train de laver Lolo en direct? Qui? Maman, elle est en train de laver Lolo en direct. Qui est en train de laver Lolo en direct? Qui est en train de laver Lolo en direct? Coco, ta mon chic est plus classe. Elle est classe avec quoi? Lolo est 10 fois plus classe qu'elle. N'importe quoi. Arrêtez ça vite. Ne commencez même pas ça. Arrêtez ça vite. Parce que Camerounais, ils ne voient rien là. On est nés pour marcher ensemble. Donc arrêtez ça vite. Moi, je suis très mal placé même pour parler. Exactement. Tu as tout compris. Leur force, c'est leur solidarité. Tu vois, j'en ai parlé. Un autre vient m'envoyer la tête de moi ici. Tu vas aller là-bas, elles sont versées tous. En train de supporter. Et parmi eux, il y a les Camerounais qui sont entrés là-bas en train d'assister. On est en train de laver le lot propre. Et quand on lave le lot, vous gagnez quoi dedans? Bande de moutons, de paniches que vous êtes. Hein? Un problème, c'est que Lolo est Flore. Voilà. Il y a les supporters de Lolo, il y a les supporters de Flore entre nous, les Camerounais. Mais quand une étrangère vient laver Lolo et que vous-même, une étrangère en train de laver Lolo et vous les encouragez, vous gagnez quoi dedans? Ça va ajouter quoi dans vos comptes en banque? Hein? Et c'est vous qui voulez le changement. Vous n'avez pas de solidarité. C'est pour ça que vous serez tous les derniers de la classe, les dermatindis. Parce que vous n'avez pas de solidarité. Les Ivoiriens vous dépassent avec la solidarité. Voilà. Donc tout votre chic, glamour et tout ça, même ça n'ira nulle part. Les Ivoiriens vous dépassent avec la solidarité. Ho ha! C'est ça qu'il s'agit. Manque de solidarité comme ça.
Les suites de sang, on lave le sang. Aujourd'hui qu'on la lave, on la lave et puis ça va changer. Ça va enlever qu'elle est la fille du commissaire priseur. Ça va enlever la beauté qu'elle avait là-bas hier là. Vous avez vu comment elle était belle. Maman, classe simple, chic et glamour. L'élégance de ça. Classique, maman. La robe, elle était descendue sur elle comme ça. Tchac, alors je n'ai pas vu une là-bas. Qui a le corps de rêve là? Qui avait ça là-bas? Personne. Tous les bépimbéas que j'ai vus là-bas là. On lave le lot. On est en train de laver le lot. Allez vous réjouir. Hein? C'est ça, votre, c'est ça, c'est ce que vous aimez, non? Quand on lave les gens, vous êtes content. Vous commentez, vous envoyez les cœurs. Vous êtes content. Hein? C'est ce que vous aimez. Pas du tout. Ils sont pas solidaires du tout. Edwige de Milan, avant de venir par là, Lolo va te mettre une dentière à Aquama. Aquama va acheter une dentière. Hein? Aquama va acheter une dentière avant de venir t'asseoir pour parler à Lolo Fonja. Tu as vu les dents d'abord de la. Tu as vu les dents de Lolo Fonja? Tu viens parler, n'importe qui se lève aussi va venir parler à Lolo Fonja. Hein? Les followers haineux. Flaviane Cotto, tu as tout compris. C'est eux qui sont tous là en train de mélanger les gens. De mélanger les gens. Vous n'avez pas vu la confirmation? Ces gens-là se parlent, les blogueuses-là se parlent. Vous avez vu la confirmation, non? Elles se parlent entre elles. Continuez à s'aimer votre haine, là. Elles vous ont déjà compris, votre jeu, elles ne sont même plus avec vous. Elles se parlent entre elles. Elles ont tous entre elles les numéros de téléphone. Quand elles veulent s'appeler, elles s'appellent. Hein? Quand elles veulent s'appeler, elles s'appellent. Vous êtes toujours en train de s'aimer la zizanie. Hein? C'est la haine qui vous nourrit. Vous réjouissez de la haine. On lave le lait jusqu'à vous êtes content. On est en train de laver le lait, laver propre. On lave le lait et puis ça va changer quoi sur elle. Ça va enlever qu'elle est la fille du commissaire priseur. Hein? Vous avez, elle était au Cameroun ici. Vous réjouissez tous qu'elle est en prison. Elle est revenue, non? Merci là-bas, Anne Mafo. C'est ce que je suis en train de dire. Merci, Anne Mafo. J'ai dit qu'entre nous, ici, on peut faire ça entre nous. Tu m'as donc compris. Entre nous, il n'y a pas de souci. Lolo a ses supporters. Flor Delis a ses supporters. Mais entre Lolo et une Ivoirienne, vous êtes là-bas, on lave Lolo, vous êtes content. Quant à mon chic, c'est qui? Quant à mon chic, c'est qui? Quant à mon chic, on a passé le temps à traiter Flor Delis ici, de celle qui a appris comment tient les gourdes. Quant à mon chic, parle des Bangalas en direct. Vous appréciez ces Bangalas? Hey. C'est pour poser la question. Et tu as attrapé Bangala là comme ça. Bangala, ça n'y voit rien. Bangala là, ça n'y voit rien. Toujours en train de vouloir copier les Camerounais. Bangala, ça n'y voit rien. C'est pour ça que c'est Bangala. Bangala là, tu vas attraper ça comme ça. Et puis tu vas faire comme ça. Si c'était les Camerounais, vous allez, voilà, les travail. Mais quand c'est les étrangers, vous êtes là-bas en tas. Vous regardez. Tous les blogueuses camerounaises, elles ont leurs défauts. Laquelle parmi eux vend le rêve? Aucune ne vend le rêve. Je n'ai pas de blogueuses camerounaises de nous ici, là. Aucune d'elles ne vend le rêve. Elles avaient leurs histoires, qu'elles clashent entre elles. Mais dites que vendre le rêve, qui vend le rêve? La vendeuse de rêve, là, celle qui a la mythomanie, langue là, qui vous manque? Dès qu'elle lance le direct, vous êtes à 50 000 versets là-bas. Hein? Vous êtes à 50 000. Hé, car, stylé, ceci. N'importe quoi. On n'avait même pas honte. Edwige de Milan. Aquama. 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 Va t'acheter la dentière. Lolo Fonja, c'est pas ton égal, idiote. Idiote, là. Lolo Fonja, c'est pas ton égal. Tu ne la vois pas. Va faire ta guerre avec tes soeurs ivoiriennes. Laisse mes soeurs tranquilles. Aquama. Aquama. Tout. Gertrude. Je dis que tout. Mais en tout cas, vous organisez mal les choses. C'est pour que la prochaine fois, vous venez voir vos patrons, les Camerounais, vous apprendre comment on organise un événement. Attendez! On vous dit qu'il y a eu des manquements, que ça n'a pas été comme ça, parce que nous, les Camerounais, c'est notre chose. On parlait de l'organisation. Hein? Je dis que le Camerounais, même une petite fête d'un enfant de 5 ans que tu organises, merde! Chez nous, c'est comme ça!
Même vos histoires de showbiz là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est la plante tournante des showbiz. Les qui ont fait de cette Côte d'Ivoire plante tournante des showbiz, c'est les Camerounais. Les animateurs célèbres là-bas, c'était les qui? C'était les Camerounais. Les conseillers, quand étaient quoi? Conseillers, c'est les Ivoiriens qui faisaient. C'est les Camerounais. Hein? C'est les Camerounais qui venaient là-bas vous montrer, vous apprendre la vie. For sure, ou la life. Vous parlez même de quoi? Lolo vous dit la vérité, ça vous énerve. Non! Acceptez souvent les vérités. Venez apprendre chez nous. Vous avez, il y a eu des manquements. Vous ne connaissez pas. Mais c'est vrai. Lolo a dit la vérité. Ça ressemblait, c'était les Oscars de Maquis. C'était les Maquis qui a Yupogon là. Vous voyez le genre de Maquis qui a Yupogon? À Yupogon. Ça sent que ça ressemblait. Hein? C'est le Oscar de Maquis. Avant là, vous les Ivoiriens, même dans les fêtes, vous connaissez le champagne. Hein? C'est parce que même le coupé de Kalea, Dour Sanga, il a vu comment il a vécu avec les Camerounais à Paris. Les fées, à l'époque, le feu chauffait comme ça là. Quand les Camerounais prenaient le feu, ils partaient dans les Maquis, les farotements, les ceci, les bouteilles de champagne. C'est de là où Dour Sanga prend le truc du boucan. Hein? Vous connaissez quoi avant? Vous connaissez quoi? C'est là où Dour Sanga prend le truc du boucan et tout. Il vient montrer ça. Dès que vous verrez, vous nous parlez fort. Merde! On est où là même? Merde! Vous connaissez le boucan? Vous avez appris chez qui? Vous avez appris chez les qui? Herbiche de Milan, je dis que toi et moi sur la toile. Je vois ton direct, tu insultes une blogueuse camerounaise, je m'assois sur toi. Oh ha! Akpama! Akpama va t'acheter la dentière. Akpama va récupérer Aya Robert. Il y a Lolo Beauté. Laisse les blogueuses camerounaises. Sinon, Facebook va se jarre. Sinon, Facebook va se casser. Sinon, on va diviser. Facebook, là, c'est que le tout, c'est Zuckerberg va arrêter ça. Tu ne parles pas aux blogueuses camerounaises, à aucune des blogueuses camerounaises. Toi, tu sors d'où? Les gens de Milan, la diplomate. Tu es la diplomate des Ivoiriens. Tu n'es pas diplomate des Camerounais. Ta grande gueule là-bas fait ça avec les gens là-bas. Mal élevé comme ça. Enfin, impoli. Impoli, Erwich de Milan. Impoli, mal élevé, je te mets bien, mais tu m'énerves. Juan. Impoli là. Ok. Vous ne connaissez pas organiser les fêtes, ce n'est pas faux, c'est la vérité. Les Ivoiriens, vous ne connaissez pas l'organisation. Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Vous invitez les gens, vous cuisinez le tchèp, soit le foutou. Vous ne connaissez pas faire les fêtes? Vous ne connaissez pas? C'est nous les Camerounais. Mais c'est nous les Camerounais. On fait le service traité. Il y a au moins 50 mais. Dans un mariage des Ivoiriens, les gens de la fuite de l'Ouest en général, vous ne connaissez pas organiser les fêtes. Dans un mariage des gens de l'Afrique de l'Ouest, où tu pars là-bas, il y a le tchèp. Le tchèp. Dans une fête des gens de l'Afrique de l'Ouest, vous ne connaissez pas organiser les événements? On a notre nom, vous ne connaissez pas. Hein? Vous faisiez les quand vous organisez souvent les événements, vous faisiez les formules de bière sur la table. Vous connaissez le champagne? Eh deux, vous venez apprendre quelque chose chez nous et puis vous voulez nous marcher dessus. Erwich de Milan, ça, ce n'est qu'un avertissement. Moi, je te dis. Ce n'est qu'un avertissement. Parce que si les regards ton direct, je vois que tu as insulté une de mes soeurs, que ce soit Flore de Lille, que ce soit Lolo Funja. Je m'assois sur toi propre et puis je te dis ton vrai nom. D'accord? N'importe quoi. Regarde-moi celle-là. Tu te prends pour qui même? Va récupérer tes soeurs là. Va récupérer Aya Robert. Voilà. Tu récupères Lolo Beauté. Vous continuez vos clashs là-bas là. Hein? Valoriser. Quand on fait un événement, il faut valoriser, vous inviter les gens, il faut les valoriser. Vous ne valorisez pas les uns, vous laissez les autres. Je suis désolé.
Hein? Vous ne valorisez pas les uns, vous laissez les autres. Je suis désolée. Vous les avez envoyé les billets d'invitation, c'était pourquoi? Hein? Vous les avez envoyé les billets d'invitation, là, c'était pourquoi? C'était pour venir regarder vos beaux visages. Hein? Vous avez appelé quoi à mon chic? Toi, Linda de l'INSEE, Linda de l'INSEE, une présentatrice, quand tu appelles les gens, vous êtes dans une remise des Oscars. Le même atalakou que tu fais pour un, tu dois faire le même atalakou pour tout le monde parce que tu dois connaître le parcours de tous les blogueurs. Tu dois connaître le parcours de tous les blogueurs. Mais Lola bien venait pas se lever. Moi, quand tu as appelé Lolo Foja, j'attendais qu'elle ne s'est pas levée. Elle a envoyé quelqu'un prendre ça pour elle. Mais tu, vous voulez ridiculiser qui? Elle a une taille de ferraille près. Hein? N'importe quoi. Merde. Tu devais prendre ton micro. Tu devais dire la blogueuse, la grande blogueuse camerounaise. Hein? Tu l'as fait pour Flore de Lille. Même pour Flore de Lille, même tu n'as pas fait comme nous on t'attendait. Tu n'as même la talakou de Flore de Lille là. Tu n'as pas fait comme moi j'aurais voulu entendre. J'aurais voulu entendre que la Flore de Lille, la numéro 1, la 9 de 1, la 9 de 9, la numéro 1, celle qui nous a inspiré, nous les Ivoiriens. Celle grâce à qui aujourd'hui les Ivoiriens sont devenus blogueurs. Celle qu'on a regardée, nous les comptes à mon chic, on a copié. C'est comme ça que tu devais la présenter. Tu n'as pas fait. Mais comptes à mon chic, tu as fait. Hein? Donc tu as appelé nos blogueuses pour les ridiculiser. Et vous ne voulez pas que les gens parlent. Hein? Flore de Lille, même pour elle, tu n'as pas bien fait. Vous n'avez pas bien fait. Vous avez fait semblant. Vous avez fait semblant. Et même ce que vous avez fait là, c'est trop grave. Parce que vous avez invité deux blogueuses camerounaises. Vous deviez les traiter de la même façon. C'est comme, sachant que ces deux blogueuses-là sont en compétition dans la communauté camerounaise. Vous avez même encore voulu entretenir le clash qui est entre nos deux blogueuses. C'est que je condamne d'ailleurs. C'est que je condamne. Parce que ça a même commencé. Les autres disent que étaient au Shabbat. Et ça, c'est pas bien. Vous les avez invités là. Vous devez les présenter. C'est-à-dire que quand vous les appelez, vous donnez les odeurs de chacun qui vont avec. Vous appelez Lolo Fondjana, votre truc pour la ridiculiser et vous ne voulez pas qu'elle parle. Vous êtes malade. Hein? Tout ça, c'est pas vous, c'est nous les Camerounais. Quand vous avez entendu les Camerounais ont l'habitude de la traiter des pipi, Lolo qui ne vaut rien, Lolo. Oui, donc pour vous, c'est votre chiffon. Même si elle est chiffon là, c'est notre chiffon à nous les Camerounais. Elle ne va pas être chiffon des Ivoiriens. Je suis désolée. Je suis désolée. Elle est chiffon là, elle est chiffon chez nous les Ivoiriens. Qu'une Camerounaise la traite comme ça, c'est oui. Mais pas une Ivoirienne. Vous n'appelez pas dans votre truc plat utilisé. N'importe quoi. Quand à mon chic, c'est qui? Hein? Ou votre mytho langue là, c'est qui? N'importe quoi. La prochaine fois, faites bien les choses. Voilà. Donc, Evige de Milan, ta bouche qui n'a pas dans là. Toi-même, tu as dit que Camerounais, là, quand il promène, il y a rien à faire. Hmm? Toi-même, tu as dit. Oh. Donc, pas là, tu es en train de chercher là. Ce n'est pas vos histoires entre vous les Ivoiriens que vous faites là. Faut quitter dans Palabre des Camerounais, vite fait. Parce que Palabre des Camerounais, même là, tu ne peux pas supporter. Puis tu ne sauras même pas par où ça a quitté. Même par où ça a quitté, même tu ne sauras pas. Mais faut quitter dans ça. Voilà. La blogueuse camerounaise, tu es en train de mettre ta bouche sur elle là. Ce n'est pas ton égal. Faut parler à tes soeurs là-bas. Impoli là. C'est qui ça? Mal élevé là. Akwama, je t'ai appelé combien de fois? Faut respecter les Camerounais. Les Camerounais, ce n'est pas vos chiffons. On ne sera jamais vos chiffons. Parce qu'on n'a jamais été vos chiffons. On vous aime. Vous nous aimez. Il y a le courant qui passe et puis ça reste là. C'est une blogueuse qui n'a pas été contente. Elle s'est exprimée. C'est tout. Mais si vous êtes intelligent, vous dites plus intelligent qu'elle. Vous ne voulez pas, vous ne venez pas jeter du lustre sur le feu. C'est vous qui êtes en tort. Vous venez vous dire que, oh, notre soeur camerounaise, on a compris. Oh. Mais vous savez, c'est la première édition. La prochaine, c'est comme ça qu'on fait.
Et puis vous-même, vous allez voir que la blogueuse va dire que va se calmer. Mais vous venez allumer les directs. L'autre sort, c'est d'abord Francine Bar, j'ai vu. Après, Evy sort là-bas. C'est à qui le tour? Hé! Qui est votre balle de ping-pong ici? Et vous pensez que les Camerounais vont s'asseoir, on va regarder ça? N'importe quoi. C'était juste un avertissement. Evy, je demi là. Ah, pas mal. J'ai fini pour aujourd'hui là. Ok, c'était moi. C'était mon coup de gueule. Et c'est là un avertissement. Voilà. Je ne vais pas tolérer.